peut croire que le racisme n'existe pas, mais le racisme a une forme masquée ici. Je suis Monsieur X, âgé de 38 ans, originaire de la Côte d'Ivoire. J'ai fui mon pays le 11 avril 2011 parce que j'étais responsable universitaire. Compte tenu de la situation sociopolitique de mon pays, j'ai immigré vers le Ghana, arrivé en Tunisie le 12 mai 2018. Je suis resté là sans abri. Je dormais d'abord en bas des ponts. C'est ainsi que j'ai croisé un jeune ivoirien aussi qui m'a aidé dans un premier temps. Ici, on nous fait croire que le racisme n'existe pas, mais le racisme a une forme masquée ici. Mais je me demande, un pays qui se veut un pays développé, où la démocratie est à chaque fois sur les lèvres des dirigeants de ce pays, mais où est passée l'opinion internationale? Que puis-je faire? J'ai un enfant qui est né dans ce pays. Et cet enfant, jusqu'à présent, il n'est pas déclaré. Que puis-je faire pour pouvoir subvenir aux besoins de ce fils? Il a le droit aussi, parce qu'il est né, il est natif de ce pays. Que puis-je faire pour pouvoir donner une voix exemplaire, un père exemplaire, une éducation adéquate à mon fils? Je ne sais pas. Je comprends pourquoi certains de mes frères, de mes soeurs préfèrent s'adonner à l'océan, à la Méditerranée, pour pouvoir chercher de l'autre côté l'Eldorado tant rêvé. تنمودو من هاتفنا المحمول إلى هاتفك المحمول. تنمودو 100% smartphone من هاتفنا المحمول إلى هاتفك المحمول. محتوى رقمي جديد.